Les Irakiens fuyant l'État islamique risquent la torture, voire la mort. C'est l'alerte que vient de lancer Amnesty International, qui dénonce les traitements qui leur sont infligés par les milices et les forces gouvernementales. Selon l'organisation qui s'appuie sur le recueil de 470 témoignages, les civils sunnites payent le prix des crimes et atrocités commis par Daesh. Alors que l'offensive pour reprendre Mossoul vient de commencer, Amnesty International avertit qu'il est crucial que des mesures soient prises pour garantir que ces violations ne se reproduisent pas. Les conclusions du rapport ont été transmises aux autorités irakiennes il y a presque un mois. Elles n'ont pas donné suite.